Il était une fois un hôpital de guerre. La chance nous sourit. Le lieu convoité depuis des jours est libre d'accès, et il nous suffit de contourner son entrée principale pour pouvoir y accéder. La bâtisse est la plus imposante de toutes celles que nous avons pu voir jusque-là. Nous en sommes presque éblouis. Voici un petit point historique sur notre lieu. C'est ici que se tiennent 7 000 m² de terrain à l'abandon depuis une vingtaine d'années. L'immense bâtiment a eu plusieurs costumes. Fondé en 1820, sur ordonnance du roi Louis XVIII, il fut d'abord une école ecclésiastique, jusque 1905. Entre 1914 et 1918, il endosse le rôle d'un hôpital militaire qui soigne les réfugiés belges. Puis, à la fin de la Première Guerre mondiale, la bâtisse devient un foyer d'accueil pour anciens combattants. On lui voue aussi un rôle d'hospice provisoire et même, pour certains, d'hôpital psychiatrique. En l'an 2000, il commence à ne plus avoir de fonction et une société de gardiennage le surveille. En 2003, le propriétaire ne paye plus ses impôts et abandonne ainsi le bien. Pourtant, des Américains sont prêts à le racheter pour la modique somme de 2 millions d'euros afin d'y implanter une maison de retraite haut de gamme. Mais l'investisseur espagnol ne voulait pas le céder à moins de 4 millions. La commune, totalement découragée, souhaite s'orienter vers une procédure d'abandon qui pourrait même déboucher sur une procédure d'expropriation. Nous passons silencieusement une petite porte en bois ouverte. Mais que nous réserve donc cet imposant bâtiment? Bonjour, alors bienvenue dans notre nouvelle enquête. Bon, on n'est pas à côté encore, il faut qu'on aille sur place, mais comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons enquêter dans un ancien militaire belge
qui a connu donc la première guerre mondiale, puis la deuxième. Alors, c'est dire à quel point ce bâtiment est vieux et imposant. Il est magnifique. Donc aujourd'hui, je suis avec Sophie. Pas de Léa par contre. Voilà. C'est vrai que ce bâtiment est vraiment magnifique. Pas mal connu des tourbexeurs. Mais le temps est gris, il pleut un peu. On verra bien sur place. C'est connu pour être un lieu hanté, ça, ou... Ouais. Bon. Alors, on va s'en rendre compte. Bon. On y va et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Bon, alors ça y est. On est arrivé. Donc les lieux sont bien ouverts. En espérant qu'il n'y ait personne dedans, enfin bon, on verra bien, parce que c'est quand même bien connu des urbexeurs, et puis on va pas vous dire où c'est, hein. Mais c'est d'une facilité pour s'y rendre, que... Ah, c'est magnifique, vraiment magnifique. Tu vois la ruelle dont je t'ai parlé tout à l'heure près de la route? Ouais, c'est ça, ouais, exact. Alors là il est plus de 16h. La luminosité, bon, il fait pas très clair. Bon, on est de journée mais je peux vous assurer que on sent hein, qu'il y a assez lourd. Déjà en étant là, Bon bah écoute. T'es prête? Ouais, je vais prendre un caméscope. Hello. Je vais prendre un caméscope direct. En plus c'est bien parce qu'on a retrouvé la Spirit Box qui était partie se voir faire une petite beauté chez le réparateur. Bon, Sophie est déjà partie. On y va. On rentre et on se retrouve à l'intérieur. Ça a l'air immense. Allez, à tout de suite. Et nous sommes rentrés. Ça y est, on est dans la cour, enfin une des cours. Ah là là, c'est... Ouais, donc on peut rentrer là. On peut rentrer là. Plein de petites dépendances. Ah, c'est immense. Faudrait peut-être presque même être à 4 pour tout couvrir en une fois. Ah, oui, ça monte là, il y a un escalier. Oh, pff, c'est plus le grand bâtiment qui est. Oui, oui, enfin, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Ok, d'accord. Bon. Tu veux voir? Si tu veux, ouais. Ah, il y a. Allumer ton câble. Non, là-haut, c'est... Bah, non, ça a l'air d'être... Enfin bon, c'est pas important, c'est ici. Hein. Ce qui est important, là, c'est ce qui est devant nous. On est en pleine journée, mais il fait gris.
Et ça donne un, y a un côté... c'est lourd, mais c'est triste aussi. Enfin, je sais pas, c'est... l'atmosphère est... Et puis en plus, sachant ce qui s'est passé quand même dans cet hôpital, on sent la lourdeur des lieux. On sent que c'est chargé. Hein. Ouais. Il y a pas de, elle éclaire mal, elle éclaire plus, les gars. Ah, peut-être changer les piles. T'as toujours des problèmes toi avec les ampoules de toute façon. Donc. Ah oui? Ah oui, je crois que j'avais vu ça sur les photos. Hop. Derrière. Ah oui. C'est étonnant d'avoir mis une chapelle dans un hôpital. Enfin, étonnant. C'est... Il y a souvent des petites chapelles, mais là c'est une église quoi, c'est... Tu vas là, moi je vais voir ce... Ça ressemble bien à des cuisines. Hein. Bonjour. Nous sommes Sophie et Guillaume. On s'est permis de venir dans cet hôpital. Pour discuter et rentrer en contact avec d'éventuels habitants. Je rentrerai plus tard dans les détails, mais... Nous avons du matériel pour discuter avec vous. Pour enregistrer vos voix. Éventuellement vous voir. Donc surtout n'hésitez pas à nous répondre, à nous parler, à nous raconter votre histoire. C'est stressant cette porte qui... Je comprends, on ne se connaît pas, vous êtes peut-être un peu réticent, mais je vous assure qu'on vient là uniquement dans le but d'avoir un dialogue avec vous. Hein. Faut pas avoir peur de nous. Compte et dire que là on est dans un bâtiment, Sophie, regarde, il y a encore un autre bâtiment de l'autre côté. Enfin, a priori, celui-là doit pouvoir le rejoindre sans sortir maintenant. C'est impossible. C'est. Et après, on est beaux étages. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est les cuisines, ça, c'est un monte-charge, enfin, c'était pour les plats, tout ça. Et ça, à mon avis, c'est le réfectoire. Ça
Ça, ça ressemble bien à un réfectoire. C'est immense, hein. Ah oui. C'est magnifique. Enfin, faut pas s'arrêter aux détails, quoi, au radiateur en ruine par terre. Je trouve que c'est. On peut qu'avoir du respect, hein, dans un bâtiment pareil. Hein. La connaissance des lieux et puis des bruits aussi. C'est magnifique. Ce qu'on entend là, c'est le vent qui souffle à travers les murs. Enfin, a priori. Ça, c'est un lieu à faire nuit et jour. Nuit et jour. Comment tu te sens ? Ça va. Voilà, je vois des escaliers là-bas. Ce qui est, c'est qu'on a le choix, hein, du. Il faut que j'en fasse la maîtrise. Est-ce que vous allez peut-être plus dans la chapelle ? La chapelle qui est là. Profitez avant qu'il fasse nuit. On va essayer de monter, voir ce qu'il y a en haut. Si c'est dans les mêmes. On peut se séparer, hein ? Non, non. Se séparer, c'est pas bon. Bon. Donc là, si je comprends bien, on quitte le réfectoire, les cuisines. C'est le lieu le plus grand qu'on ait jamais fait jusqu'à présent. Ouais, j'arrive, je prends. Ouais, j'arrive. Parce que là, on va perdre du temps à chercher. Ouais. T'as vu, c'est super. Ah oui. Mais il y a là-bas, au fond, il y a un canapé. C'est bon, hein? Ouais. Et puis là, c'était ok, l'écran qu'on devait mettre là. D'accord. Okay. Bah, là, on est ce qu'on va appeler dans les espaces de vie, hein, cinéma, réfectoire. Donc puis on va monter, à mon avis, on va trouver les salles de soins, les chambres.
Ici, ça me... C'est vrai. Ici, j'ai le cœur qui est... Ici, c'est les chambres. Bonjour, nous sommes Sophie et Guillaume. On s'est présenté tout à l'heure. On se représente à nouveau. La porte a bougé. Tu sens du courant, un courant d'air où t'es ? Non. Bonjour ? Parce que moi je ne sens pas de courant d'air ici. Ce qu'il y a, c'est que quand en montant, elle bougeait pas la porte et elle s'est mise à bouger d'un coup. Puis tu vois, là, elle bouge pas. C'est vraiment quand on est arrivé qu'elle s'est mise à bouger. C'est bizarre, je sais pas quoi en penser. Donc nous sommes Sophie et Guillaume. Nous avons 42 et 41 ans. Oh là là, t'as entendu ? Là par contre. Bon, on avance. Ouais. On fait l'étage par. Alors ce qu'il y a, c'est que. Si tu te sens pas bien, alors, tu peux redescendre. Si je vais redescendre si je me sens pas. Oh, voilà, enfin, ce que je veux dire, ouais, n'hésite pas à redescendre si. Là on est dans les chambres. Voilà. Ah ouais, oh là là, cette chambre-là, viens voir. Alors, celle-là, elle est bizarre, parce que... Regarde, la tapisserie. C'est étonnant, avec une tapisserie dans... Comme ça. Enfin, ça fait pas un hôpital, là. Tu me diras si t'as un lieu où tu veux qu'on mette le plan fixe, ouais. Avec Thérèse. Ouais, on va déjà regarder un peu tout ce qu'il y a. Ouais, mais si tu sens qu'il y a un endroit... C'est là, quand on est monté là. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as entendu quelque chose ? Bonjour. Vous nous faites pas peur, s'il vous plaît. Ouais, il y a le premier. C'est la porte. Ça fait un bruit aigu. Ouais, c'est la porte. Oh là là, oh là là. T'as vu la chaise ? Oui, j'ai vu, ouais.
nous dire si vous êtes des patients. Ou si vous travaillez ici. Je suis dans la chambre de qui ? Ce sifflement continue, hein, ça me... T'as l'air... Je suis sidérée, moi. Franchement, je suis sidérée. Ah, mais là, t'as une tête comme si... Enfin, je sais pas... Ouais, t'es marqué, ça se voit au visage. Ça m'a sonné, quoi. Ouais, ça se voit. Je sais pas là on est où, mais c'est chaud. Ah non, mais en tout cas, c'est des chambres, hein, c'est sûr. C'est comme si ouais, tu sens la douleur, tu sens le mal, tu sens la souffrance ici, vraiment. Il y a tellement de souffrance que c'en est pesant, quoi. Mmh. Et voilà, tu vois bien que t'es pas dans un... Qui était dans la chambre numéro 6 ? Ça t'attire ici, la chambre 6, elle t'est... Non, mais c'est juste pour demander s'il y a un numéro. Est-ce que les gens qui ont été dans cette chambre-là sont avec nous ? Changer de couloir, on retourne dans la pièce où j'ai vu la chaise et on n'a pas le choix, il faut que ça soit au ressenti. Mince, j'ai dû la louper. Ah ouais, mais ça claque de partout. Donc vaut mieux prendre une pièce plus loin que là où ça claque pas. Bah, elle est où ma chaise ? Elle est là. Ah. Qu'est-ce que ça ? Bah, je sais pas, moi ça me donne l'impression que quelqu'un était là encore il y a 5 minutes, tu vois, et puis... Où est-ce qu'elle est, Sophie ? Ça va mieux ? Ouais, je sais pas si on peut passer là. Pourquoi ? Bah, tu vois pas l'état du sol ? Enfin, c'est clair. Je peux passer ou pas ? Doucement, je te tiens, vas-y. Oui, bon, tu sais, c'est des grosses poutres. Hein. Tu le sens par là ? Ouais, ok. Oui, bouge pas le sac. Enfin. Est-ce que tu as remarqué que là, du coup, c'est les murs, c'est du papier peint ?
on est plus, le sol n'est plus le même. On est à côté de la chapelle. Oh. On dirait, ça serait pas le côté infirmier, ça? Peut-être. Ça me donne cette impression-là. Est-ce que quelqu'un peut nous dire où est-ce que Sophie et nous, et moi, nous nous trouvons actuellement? T'as entendu? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, moi aussi. Ça me fait cette sensation-là. J'aime pas du tout. Ah, c'est qu'on doit être observé, suivi. Ça va bien. Bah, si, viens, faut pas hésiter, on peut redescendre si tu te sens pas bien. Ouais, je voudrais descendre. Viens, on redescend 5 minutes. Et puis, là, on montera, c'est pas grave. Alors ça, fallait s'y attendre. Hein. Là, c'est vrai parce que c'est l'espace de détente, tu vois, on voit que... Là, je me sens mieux, un peu de soleil. Je voudrais aller à la chapelle. Pour me recueillir. Elle est où, la chapelle, tu vois? Je crois qu'elle est par là-bas. Bah, je te laisse y aller. Non, mais non, je vais bien te retrouver, après on y va ensemble. Ah non, bah, je reste là. Bon. Non, on y va ensemble. On y va être à deux. Je restais toute seule ici. Hein. C'est trop grand. Ouais, mais la chapelle, on a encore le temps de la faire en partant. Là, c'est... Ah, on fait le reste des locaux? Alors, on y va. Bah, là, l'idée, c'était de descendre pour que tu te sentes un peu mieux, que tu ouais. respires 5 minutes. Ouais, maintenant, si tu veux aller à la chapelle, bah, normalement, elle doit être. Ah, bah, là. Elle est là. Oh, c'est bon. Non, c'est pas. Et tu ne veux pas faire la spirit box, toi? Bah, oui. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un là, quoi.
Putain, y a personne. Ah non, y a personne, hein. C'est que j'ai une impression que t'as... on est tout seul. On est tous, t'as dit ? On est tous là ? On est tout seul. Moi ça va mieux, hein. J'ai l'impression que t'as repris des... Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même... L'atmosphère est lourde là-haut. Bah oui. Et on était qu'au premier. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Là on est au rez-de-chaussée. Voilà, il y a le premier, il y a le deuxième et il y a le troisième sous les combles. On va où alors? On se pose quelque part ou... Bah on... On va à l'église? Après? Tu veux pas y aller? Bah... Non? Bon, tu veux aller où? Bah on n'a pas fini le premier étage. Bah on a fait tout le premier étage. Ah non, on n'a pas tout fait, non? Bon, vas-y, je te suis. Vas-y. Je te suis. On est arrivé de là-bas, nous. Bah on est... Oui, mais... On n'est pas passé par là. Si, on est passé par là au début. Vas-y, on se retourne en rond. On s'est rendu en rond. Si, on est passé par là. Oui, on est passé par là. On va faire le premier, on va faire le deuxième. Non, mais on n'a pas tout fait au premier. Ah ouais? Bah non. Tu vois, on a été à gauche. Thérèse est dans le couloir de gauche. Donc on peut prendre la porte qui a claqué devant nous tout à l'heure. Ça ? Ouais, ou à droite ici. Ça c'est les chiottes. Tu veux pas ? On a pas été non, et là on fait ça vite fait avant ? Ça on a déjà fait ça. On a déjà fait tout à l'heure. Non, moi je suis pas venu là. Mais c'est juste le pire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Pouvez-vous vous manifester? En fermant une porte, en tapant contre un mur, en nous parlant. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, pour nous dire que vous êtes bien à côté de nous? Alors comme je vous disais tout à l'heure, nous avons du matériel pour enregistrer vos voix, du matériel, des caméscopes, des caméras, je pense que vous connaissez. Donc même si nous n'entendons pas vos voix, sur le moment, notre matériel peut vous enregistrer. Et on pourra vous écouter plus tard. Alors surtout, n'hésitez pas à nous parler, à répondre à nos questions. Avec Sophie, nous sommes heureux d'être ici. On vient à votre rencontre dans ce lieu chargé. Pouvez-vous nous dire, chacun à votre tour, vous étiez des soldats de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, ou si vous êtes des civils qui avaient séjourné ici, ou si vous êtes du personnel médical, ou si vous êtes simplement de passage.
là, c'était quoi ce bruit? T'as entendu? Oh, ça m'a... J'ai un coup de... J'ai un sursaut là. Oh là, je sais pas ce que c'était. Ça t'a pas... Je n'entends que ça depuis tout à l'heure. Oh là là. Je n'entends que... Il n'y a pas de spirituel. Je n'entends que ça depuis tout à l'heure. Je suis choquée parce que... Alors, par contre, méfie-toi, là-bas, il y a un trou. Hein. J'ai dans ma main une boîte, c'est comme une radio. Si vous nous parlez, votre voix va sortir de cette radio. On va pouvoir communiquer de cette façon. Ah, j'ai entendu une voix. Alors, vous vous rapprochez le plus que vous pouvez. Et vous parlez tout simplement, votre voix va sortir de l'appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Nous venons d'entendre la voix d'une femme. Enchanté. C'est bien, madame, merci. Vous pouvez vous présenter? Nous, c'est Sophie et Guillaume. Est-ce qu'il y a des gens dans cet hôpital avec nous ? Ah, c'est bien une voix.
je n'ai pas compris. Bon. En fait, c'est pas vraiment le boom, moi, qui m'a surpris, c'est plutôt l'espèce de coup sourd, de vibration. La résonance qui ouais, vient jusque, c'est ça. Tu vois, tu... Bon, alors c'est vrai que des fois, il y a des petites rafales de vent. Ah, mais ça m'a. C'est comme l'espèce de cri, j'ai entendu. Mais c'était peut-être le vent qui soufflait, mais j'ai entendu quelque chose. Et là, la résonance, ça a été quelque chose de... Et il y a toujours ce sifflement, je ne sais pas à quoi c'est dû. On dirait quelqu'un qui... J'ai cru que quelqu'un... Entendre quelqu'un chantonner, comme tu faisais toi. Je chantonne, ouais. Je sais pas, j'arrive pas à arrêter, je chantonne. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser la valse ici. Oui, c'est bien. Vrai que non, ça va pas. Ça va pas bien du tout. Bon, on va continuer à avancer. Tu veux la, comme ça au cas où, si tu veux l'allumer direct. Elle est sur mute ? Non, elle est éteinte. Non. Tu veux la rallumer, qu'on la mette sur mute ? Ouais, c'est mieux. Ouais, du coup, attends, on n'a rien oublié. Prio. Non. Ouais, on n'a pas fait encore. Mais moi, ce gros boom, là, ça m'a fou. Là, c'est toi. Ouais, dis-le quand c'est toi, parce que en fait, tout à l'heure, j'ai entendu exactement la même chose, sauf que c'était pas toi. Et mais il doit y avoir un crématorium ou quelque chose comme ça ici. J'ai l'impression que t'es possédé. Je sais pas ce que ça pouvait être, mais il y a un évier là-bas. La pièce de là ? De la déchirure. Mais je sais pas ce que ça peut être comme pièce. Là-bas, une grande pièce si, avec un... C'est un musée, ça se voit. C'est des pièces un peu grandes. C'est pas un endroit. Ici, c'est gay. Ici, c'est gay. Je sais pas ce que c'est, mais... Non, c'est gay. Ici. Comme des ateliers créatifs. C'est ça, ouais. Tu sens que c'est... Au deuxième... à cet étage-là. Bah attends, on va leur demander. Nous trouvons dans quelle partie de l'hôpital ? Vous pourriez nous dire ?
Vous pourriez nous dire à quoi servait cette pièce, par exemple? C'est plus calme en tout cas ici. C'est plus calme, hein? J'ai entendu. C'est plus calme ici. Oh là là, celle-là par contre, elle fait plus. Elle fait moins joyeuse cette pièce là. Je sais pas ce que c'était. Des salles de réunion, je pense. Puis là, il y a de la moquette. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant de marcher là-dessus. Elle est bizarre, elle m'inquiète. Donc on est toujours au premier étage là. Je sais même pas si on va retrouver Thérèse. Ah bah elle est là-bas la chapelle. On est dans la chapelle. Ouais. C'est pas possible. C'est magnifique ce truc. Mais par contre, il faut aller par l'autre entrée, je pense. Ah ouais. Alors, on va peut-être par là, Guillaume, avec les caméras. On va prendre notre entrée. Il y a une Ah ouais, d'accord. Notre entrée, c'est de l'autre côté. Et derrière cette porte, il y a quoi? Il y a rien. C'est une petite cuisine. Donc là, c'est l'espace de vie du... Je sais pas si on peut descendre. Fais attention, c'est assez haut quand même. Et surtout le parterre, je sais pas si c'est... C'est super. Ah, tu vois, tu voulais y aller dans la chapelle. Entendu? Oui. Alors là, si tu peux éviter de faire tomber le caméscope, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il y a juste à se taire et à profiter de ce que tu vois. Tout est en état en plus. C'est ce que j'allais dire. Oh, c'est... Elle est même meilleure, elle est plus jolie que toutes celles qu'on a pu voir jusque-là qui sont. Qui existent quoi. Elle est magnifique. Mais même elle est neuve là, comparée à l'hôpital qui est. Ah ouais, c'est ça, elle a pas bougé. Je sais pas s'il n'y a pas une petite rénovation, peut-être. Oh, elle est super. C'est bizarre, on dirait que. Enfin, pour accueillir la messe demain, quoi. Oui. Super. Là, on est gâtés. Au niveau établissement, je crois que...
rend pas bien compte à la caméra, mais... Par contre, on va pas faire le spirit box ici. Non, c'est pas resté. C'est super. Ah, ici, ça... C'est magnifique. Je comprends pas le... Une telle église dans un hôpital. Normalement, c'est des petites chapelles, toi, des petits lieux pour prier, pour... Mais là, c'est une église. Remarque, si ça, il y avait les soldats de la Première et Deuxième Guerre mondiale, peut-être que ça, il y a ça, ça un lien. C'était un hôpital militaire, donc peut-être les familles venaient se recueillir ouais, aussi. Ouais, peut-être, ouais. Attends, je m'assois 5 minutes, je vais faire mon vieux. Ah mais là ça fait du bien de se poser. Il faut, c'est reposant ici quoi. C'est trop non mais toi de toute façon tu tournes pas rond depuis qu'on est rentré dans l'hôpital. Hein. Dès qu'on est monté à l'étage, je crois que t'as eu plusieurs périodes. Ouais. T'as eu stress et du stress un peu. T'étais vraiment à un moment donné, t'étais énervé et énervant tout près. Hein. Mais ça me fait ça quand c'est vraiment bon. Ah ouais c'est. Ouais, alors après, tu as eu ta période. J'étais là, ta na 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 na. D'où ça me vient cette. J'ai envie de danser la valse, je sais pas danser la valse. Ça m'a fait du bon. Mais là, ça va mieux. Non, mais c'est pas étonnant, c'est tellement chargé, il y a tellement de monde. Et toi, tu l'as pris après. T'as eu un moment de stress, tu m'as dit, mais t'entends. Bah ouais, oui. Bon, on n'entend pas les mêmes choses. C'est tiens, t'as entendu? Il y a quoi? Un de ces booms. Qu'est-ce qui te fait dire c'est des gens? Bah t'avais entendu. T'as enregistré? Ouais. C'est ce que j'avais entendu tout à l'heure. C'est comme un enfant en fait. Ouais. On doit y aller récupérer Thérèse. Si jamais il y a du monde quand même, je préférerais qu'on la récupère. Ah, les deux. Ouais, je reconnais cette pièce, on n'est pas loin. J'ai bien entendu. C'est bon, je reconnais. Ah, en fait, tout à l'heure, on était vraiment derrière le. Très aigu, le cri, hein. Ouais, mais c'est exactement ce que j'avais entendu tout à l'heure dans la pièce où tu faisais la valse. Ah, bah. Ouais, c'est exactement ça que j'ai entendu. Allez dans le couloir. Mais quel couloir? Bah celui-là. Oh, faut la retrouver. Oh, c'est tout dégueulasse. Une odeur de parfum. Oui, ça sent parfum. Bah peut-être qu'il y a des gens. Avance. Bon, on avance, on est constamment, on va trouver. On sait jamais. Ça sent.
est par là qu'elle est Thérèse. Oui, oui. Ça se trouve, ils ont bougé Thérèse. Non, mais il n'y a personne. Mais on a entendu un cri. Oui, mais c'est... C'était un cri vraiment loin, cette fois-ci. Bah, qu'est-ce que j'ai entendu, moi, avec Jocelyn? C'était un cri, c'était pas humain. C'était même pire. Ça commence à faire peur. Je crois qu'on va redescendre. Bah non, on a encore les deux autres étages. Allez là. Bon, on la prend, là, parce que... Vas-y. Il y a les caméscopes, tu ne prends pas ? J'ai mangé déjà ça. Je ne me sens pas très très bien au premier étage. On va un peu dans les petites dépendances en face ? Bah non, il y a encore les d'autres étages. Là, on va pas monter, tu vois bien que c'est craqué au mur, on ne peut plus monter là. Mais si. On n'en perd pas des murs, tu vas pas monter. Franchement, non, mais tu vois l'état des murs. Tu rigoles. Mais non. Oh, on va monter. Allez. Mais non, mais tu vas pas monter, là c'est craqué, craquant. Alors là, si je fais pas une crise ici, tu iras pas dire que je suis emmerdée. D'accord. Tu veux ouvrir la porte ? Non. Est-ce qu'il y a du monde avec nous à cet étage ? C'est marqué studio 1. Ah, c'est des studios là. L'enregistreur, le mien, il est où ? Je sais pas, j'ai le mien, mais ah, il avait été dans la pièce à Thérèse. Ah ouais ? On va aller le récupérer en sortant. C'est pas grave, peut-être qu'il y aura des trucs. Oh, on a oublié l'enregistreur ? Oh non, il est juste en dessous, vaut mieux y aller tout de suite. On n'est pas loin. On est juste en dessous, c'est pour. Si on doit partir et qu'il se retape tout le. Tu m'attends ? Tu veux venir avec moi ? Je vais y aller, tu m'attends plutôt. Ah bah si tu préfères y aller, je t'attends. Non, je sais pas si je vais retrouver la pièce. Oh. Tu m'attends là, mais tu bouges pas d'ici. Ah non, 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 promis. Putain, j'en viens de tomber. Ça tourne pas rond, toi, hein ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Alors ? T'as vu ce qui est marqué au mur ? Oui, oui, je préfère pas regarder deux fois. 666 plus la croix inversée, merci. Ça y est, t'es à nouveau dans une période où tu dis rien. Non. Tu l'as éteint ? Bah oui, je l'ai éteint. Tu voulais que je le rallume ? Tu vois, c'est des studios. Ça a éteint ici. Oh la vache, ça c'est des lieux de vivre, d'accord. Ouais, ouais, avec salle de bain. Alors, est-ce que c'était pour des malades longue durée est-ce que c'était pour des familles ? Est-ce que c'était là qu'on mettait les gens avant qu'ils sortent ? Ah ouais, c'est aménagé, hein ? Ouais, ouais. Là, c'était des gens certainement qui devaient avoir moins de soucis déjà, parce que comment c'est aménagé, pas du tout. Non, c'est des pièces et des lieux de vie.
Vous pouvez nous dire à quoi sert cet étage? À quoi servaient ces studios? Ah, celui-là, il est même encore plus grand comme studio. Oh là là. Ah ouais, c'était vraiment chouette, hein. Oh là. Là, on est au deuxième étage. T'as vu? Ouais, le canard. Ça donne sur des chiottes. Ouais. C'est marrant. Ils sont bien aménagés, hein, ce studio. C'est une chambre et des toilettes. Et pourquoi il y avait ces studios? À qui était-il réservé? Vous pouvez nous dire? Qui est ouvert. Ils sont tous faits pareil. Mmh. Hein. Studio 3. À part le papier peint du coup qui change, mais. C'est pour un gosse, hein. T'as vu la taille du truc? Comment tu veux toucher la bombe? Tout à l'heure, on a entendu comme un enfant qui a crié. Oui, c'est pour des enfants, ça. C'est vrai que les baignoires, elles sont. Tu peux pas mettre une personne ici. Et il y a une porte de surveillance, tu vois. On surveille la chambre de. C'est une baignoire pour gosse, ça. Ouais. Ouais, parce que c'est trop haut pour être un bac même à douche. Les toilettes sont toutes basses. C'était réservé aux enfants, ces studios? Ou alors pour une personne qui ne peut pas se mettre assise, mais debout, qui se toucherait debout comme ça. Ouais. Non, même pas. Mais... Ah non, c'est pas facile à dire. Bah, c'est délicat, là. Quoique, non, les miroirs sont quand même vachement hauts. Donc finalement, les gens, la hauteur des miroirs, quand même, c'est pas non plus un petit enfant. Des gens handicapés, peut-être? Je sais pas. Bah, prends la spirit box et puis demande sinon. On va rallumer. Nous avons ressorti notre boîte qui fait du bruit. Et si vous nous parlez, votre voix va en sortir. On va pouvoir vous entendre. Vous pouvez nous expliquer?
À qui étaient réservés ces studios? J'ai pas compris. À qui étaient réservés ces studios? Ah, t'as pas compris? C'était une belle réponse. Merci. Tu vas flamber. Tu vas flamber. Il est pas content, monsieur, là. C'est pas la même voix. Tu peux te rapprocher un peu? Pourquoi? Je me souviens à quoi ça servait, ça. Pourquoi? On m'a expliqué pourquoi il y a une vitre ici. Bah vas-y. Ils vont t'écouter, hein. Non, c'est moi qui ai tapé. À quoi servaient ces vitres qui permettent de voir de la salle de bain à la chambre et de la chambre à la salle de bain? Il y a plus de réponses maintenant que tout à l'heure. Quel est votre prénom? Hein? Oh là là! Tu vois? Ah mais ça c'est pas un bruit. Ah ouais, ça c'est pas un bruit de... Ça vient d'où? Ah, ça vient de là, oh la vache. Non, c'était pas ça du tout comme bruit. Là ça a tapé. Oh là là. Oh, j'ai le cœur qui a failli s'envoler, ouais, là. Je sais. Mais c'est toujours quand les spirit box sont allumés que on a des bruits comme ça. Oh. Tu vois? Après, c'est au présent, d'accord. Là, c'était un coup de poing dans un mur. Enfin, c'était pas une porte qui avec le courant d'air. Oh là là. Il n'y a rien, de toute façon, on peut faire tomber. Ici, il n'y a rien qui claque ici. Et mais on est encore dans des appartements... C'est super là-bas. Fais attention quand même, on voit pas sous la moquette. Enfin, je peux y aller, mais... Non, c'est un peu... On est quand même au deuxième. Voilà. Il y a du monde avec nous. Par contre, là, c'est un pass, hein, donc on est obligé de repartir là-bas pour... Oh, non, c'est... Oh, celle-ci, elle est lourde, hein. Celle-ci, elle est... Putain, regarde comment elle est mise, ça. Oh. Celle-ci, elle...
Allez-y, exprimez-vous. Je vous écoute. Soyez gentil avec nous, vous ne faites pas peur, s'il vous plaît. En fait, au début, j'ai plus subi, tu vois. J'ai subi la situation. Là, c'est vrai, je suis en train de revenir un peu. Hein. Ouais, t'étais dans un état. Hein. Ouais, t'étais pas comme d'habitude. Non, j'ai pas réussi à prendre le relais. Hein. J'arrive pas à prendre le relais, en fait. J'ai pas réussi à... C'est fou. Ça m'a bien attaqué dès le début, quoi. Ouais. Bon, alors là, on a fait ça, ok. Attends, je range. Tu te sers plus du caméscope, là, pour l'instant? Non, je pense que je vais tout m'en servir, parce que là, ça me bouffe le caméscope. Bonjour. Ah, pièce de vie encore, là. Là, c'est chouette. Là, j'aime bien. Là, on respire. Ah, c'est dommage, parce que... Ça fait plus d'images à analyser, ça fait plus de chances de... Il y a beaucoup de choses à voir. Au moins, on aura fait une sorte de enquête générale, tu vois. Ça serait bien si tu le reprenais quand même après le caméscope. Oui. Laisse-moi, j'ai juste besoin de reprendre les... Oui. Parce que là, tout à l'heure, je me suis laissé bouffer un peu et j'aime pas trop. Chambre. Tu vois, c'est marrant. Chambre 210 à 212. C'est pas énorme, hein? Ils descendent 10, ils descendent 11, il y aurait que 3 chambres. Donc là on est au deuxième étage. On est à l'avant-dernier étage. Ça c'est haut. Ah ouais. Tu vois, ça nous attaque un peu chaque fois quand même. Je m'en remets, mais là le coup tout à l'heure, c'était pas un coup normal ça. Et j'ai fait la différence maintenant. C'est pas une chambre, ça c'est impossible. On va pas nous la faire à l'envers. Non, c'est plus autre chose. Il y a 4 lits. Je pense. C'est des grandes. Vous mettez 4 lits alors. Je pense. C'est chambre commune un peu. Ouais. Ah d'accord, oui, c'est ça. Bah oui. Oh putain, là par contre, là ça m'a foutu la trouille. T'as entendu ou pas? Là par contre, ça m'a foutu la trouille. Bon, on continue. Là, faut que j'aille rester dans les box parce que. Attends. Attends, arrête-toi. Non, ça ne refait pas. C'était deux gros coups. Hein. Un gymnase? Ah non, peut-être pas, non. Oh là, mais t'as vu la grandeur du plafond? C'est... On est tout petit hein, à l'intérieur. Vous pouvez nous dire à quoi servait cette pièce? À quoi servait cette grande pièce? Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est-à-dire? Il n'y a peut-être pas autant de courant d'air. Hein. Toutes les mêmes pièces sont pareilles. Ouais, c'est ça, exactement. Et il reste quoi en fait? Un étage, c'est ça? Il reste les combles. Par contre, on a. Et là, on retourne du côté de la. L'église, je l'appelle. De ce côté, on est au dernier étage. Ouais. Oh la vache! Regarde papa, comment ça se fait. Oh là là. Tu veux pas prendre le caméscope pour faire la visite de. Moi, j'aimerais bien savoir qui vivait là, parce qu'en plus, avec une baignoire. Là, on est vraiment du côté église. Hein. C'est l'église là-bas. Tu vois, ça ressemble à des appartements, là, c'est pas des studios. Hein. Vous pouvez nous dire qui vivait dans cette partie de l'hôpital, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y avait un curé qui vivait ici? Plus de batterie, c'était quoi ça? Tu peux prendre l'autre, du coup, finir l'autre en night vision. Ouais. C'est bien la première fois que tu te sers du sac pour mettre ton perrier. Non, t'as du mal, hein? Ouais. Bah, je dirais que ça t'a enivré, toi. Bah, ce... ouais. Usine Rémy Gallion Heure. L'école. C'était quoi ça? T'as entendu? Oui, c'est toi. Ah non, c'est pas moi, non. C'est toi qui as chuchoté. Non, ça fait. Moi j'ai entendu. Et ça venait de là? Ça venait de derrière moi? Ouais, il y a eu quelque chose en effet. Ah, mais là, c'est clair et net, hein. J'étais en train de filmer là le pot de colle qui vient de Gaillon dans l'heure et ça a fait. Et toi, t'as entendu une chuchoter? Comme si tu sais. En même temps, j'ai entendu que j'ai. Une autre voix que toi, en fait. J'ai pas entendu comme toi, mais j'ai entendu une voix d'homme. Donc les deux devaient être liés, alors intéressant ça. Qui est-ce qui. Il y a quelqu'un qui vient de nous parler? Ah. Ça confirme que des fois, tu sais, moi j'entends des bruits et toi des voix, et des fois c'est l'inverse. Non, mais j'ai pas entendu la chose que toi. Tiens, tu vois, tu dis que je suis libre, mais. Ah, mais là, ça m'a secoué. Là, c'est. C'est ça,
Ça m'a encore perturbé. Là, c'est lourd, là. Là, ça va être du lourd. Ah, ça y est, du coup, là, tu veux y aller sur les combles, là. On en est, de toute façon. Ouais. Oh, putain, c'est... On aura fait tout l'hôpital. Je te laisse finir, c'est bon. Ah, ce gros gros. Je sais pas ce que c'était. Donc là on est encore dans des chambres. Ouais, là il y a un trou dans le plancher. C'est moi ou ça caille ici? Si c'est tout bon. Oh, ce siège. À quoi servait ce lit? Il me paraît médical, ce lit. Non, mais tant pis, un peu, s'il te plaît. Merci. Putain. Moi, je défie quiconque de monter jusqu'à cet étage. Je défie quiconque. T'as entendu? C'était quoi? Il y a les bruits qu'on connaît et puis il y a les bruits qui... L'inconnu fait peur. Mon Dieu, mais quel lit. Et Putain, ça pour le coup c'est un lit de torture. Ok. Ouais, c'est bien. Nous sommes dans quelle partie du bâtiment? À qui étaient réservées ces chambres? Vous pouvez nous dire? Oh là là. Je vais aller la voir, attends. Quel est votre prénom? Une chaise. Par terre. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Radiateur par terre. Ça tombe en bas, ça tombe en bas. On va aller où cette... Ça sent le venir de là-bas. Je suis pas rassuré. T'as parlé? Non. Mais on vient ici, d'accord. Mais c'est quoi qui tape? Donc ça, ça vient... Non. Ah, c'est sûr. Mais donc, à cet étage-là, il n'y a rien. Il n'y a rien à cet étage. Qui claque. Ça va rien avoir. Cette fenêtre-là, elle est bloquée, donc c'est pas elle. Là, elle est fermée. Là, elle est fermée.
Là, elle est fermée. T'as parlé? Vos prénoms, s'il vous plaît. Annoncez-vous. Ça, je vais faire un coup. Ah ouais? Il n'y a rien de dangereux, mais il n'y a rien qui claque à nos étages. D'accord, je regarde. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais regarder. C'est en haut alors. Bah en haut, c'est les combles après. Et après, on arrive dans les combles. D'accord. Il y a encore un étage, c'est ouf, quoi. Ah ouais. Mais ça fait... Je suis un peu toute seule. Fia, t'as l'air d'avoir croisé un... C'est au bout, là, le... Oh, la vache. C'est la sensation qui me fait peur, putain. Mais c'est quoi ce cri, ce boum, hein? Mais attends, mais ça... C'est chaud, mais je suis tétanisée, là. J'aurais pas dû partir. Mais t'es d'accord qu'il y a... Qu'est-ce qui claque? On sait pas ce qui claque. Mais je sais pas, mais là, t'as la tête d'avoir croisé un monstre. Et là, ce... Franchement, je sais pas quoi dire. Mais c'est quoi qui a claqué comme ça, là? Je sais pas, mais je suis tétanisée. Regarde. Là-bas, ouais, mais c'est pas, je suis pas à l'aise non plus là-bas. Franchement, je... C'est quoi qui a tapé comme ça? Mais je sais pas, je cherche. C'est pas au-dessus. Mais là, t'as entendu ce claque? Oui, ça m'a fait sursauter.
Ah mais là je crois qu'un jour je vais devenir cardiaque moi parce que. Un jour t'as vu ça fait mal au cœur. Ah ouais ça. Moi j'ai eu des palpitations plusieurs fois à chaque étage. Je me suis sentie vraiment mal. Ah ouais là ça m'a. C'est limite quoi, insupportable. Parce que je comprends pas qu'est-ce qui claque comme ça. C'est pas moi, je marche pas. Oh. Je n'aurais pas tenu sur cet hôpital, il y a quelque chose de bizarre. T'as vu que ça fait mal au cœur ? Ouais, c'est passé, mais c'est vrai que sur le moment. Mais quand tu es revenu, ça se voyait hein, que tu avais une drôle de tête. J'ai pas eu un effroi comme ça dans aucune des baraques qu'on a été. Hein. Ouais, bah. J'ai pas le souvenir. Moi non plus. Oui. Mais là, ce gros bout, je reviens dessus encore. Mais... Ouais, t'as vu, ça m'a fait sursauter. C'est pas normal ça. C'est... Je veux dire, ça a pas tapé, claqué une seule fois de la... comme de cette façon. Et surtout, qu'est-ce qui a tapé comme ça? Y a rien, y a. Ouais, ouais. Mais oui, parce que c'était tellement violent et fort que. Et là, c'est pas. Là, c'est. Là, ça recommence un peu. Et je tiens. La Spinebox, c'est un peu quand même. Je veux pas la couper, mais ça me rassure. Qu'est-ce qui tape comme ça, ça? Qu'est-ce qui tape comme ça? Vous voulez qu'on parte? Mais tout là-bas, c'est horrible là-bas. Bah viens, on y va. Hein. À un moment donné, là-bas, c'est vraiment. On va penser à redescendre pour y aller, hein, mais. Ouais, ouais, ouais. Ça a mis du temps à venir la Spirit Box. Au début, ça donnait pas grand chose. Non, mais t'as vu celui-là de. Oh. Ça, tu vois plus, il est pareil. Non, c'est sûr. Il y avait même pas. C'était même pas appareillé pour se souvenir de la Spirit. Bon, c'est bon, ça vous êtes calmé, vous avez arrêté de faire des bruits, hein. On fait pas ça, nous. C'est ça que ça a dit. Non, mais ça m'a répondu, là. Bah, on fait pas ça, c'est qui? C'est moi, peut-être, qui claque les fenêtres. Vous savez très bien que c'est vous. Oui, c'est vous, ça a dit. C'est nous. Bah, là, on a la chance de comprendre ce qui se dit, alors... C'est nous qui faisons claquer les fenêtres, vous êtes des rigolos. Ouais, bah j'entends, hein. C'est bon, hein. Maintenant on a compris. Et à chaque fois qu'en plus on y va, il n'y a rien qui bouge, vous le faites pas devant nous. On quitte la pièce. C'est joli, hein. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ? Bah tu rigoles, mais moi ça me le fait presque à l'œil nu. J'ai l'impression de voir comme des vapeurs devant. Ouais. Je t'ai dit là-bas, moi, c'est très compliqué. Non, là-bas, vraiment, c'est très, très compliqué. T'as pris Thérèse, hein? Oui.
T'as vu, on s'en va, ça arrête pas de claquer derrière nous. Vous jouez avec notre matériel en plus. Ah, ça t'a touché. C'est pas possible. Ouais. Ça m'a touché les cheveux. Je vais mettre ma vision, voir si je trouve un truc. Ça m'a touché. Ça m'a touché les cheveux, c'est sûr et certain. Plus de basse. Il n'y a plus de batterie. Il a dit un truc en plus. Ben, c'est chaud. Ça m'a touché, c'est sûr et certain. Ouais, ça m'étonne pas. Vous venez de me toucher. Alors je vous demande de toucher ma poupée. Vous le faites pas? Il y a tatou là-dedans. Il y a l'enregistreur, les deux caméscopes. Ouais, je crois, oui. On va vérifier après. Il vaut mieux vérifier maintenant. Je veux pas ça, je fais des vérifier.